Je m'appelle Romina Ardacha, je suis argentine, de Buenos Aires, et je suis arrivée en France en 2009. Et je suis venue juste pour faire de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, et puis je suis restée. Et maintenant, j'habite à la cité universitaire, à la Maison de l'Argentine, et j'ai fait un master en recherche sur les écritures et représentations théâtrales à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. C'est un peu un petit monde dans Paris, dans la France. C'est vraiment autre chose. Il y a notre rythme, il y a des bruits différents que dans le reste de Paris. Il y a des silences magnifiques. Je ne sais pas comment expliquer, c'est plutôt une expérience. Je donne des cours de théâtre ici à la Maison de l'Argentine avec un collègue qui s'appelle Gustavo Anduisa, qui est un artiste de cirque, un comédien et un danseur argentin. Il n'y avait pas de cours de théâtre ici à la maison et avant l'arrivage de Marcelo Balcells. Et c'était grâce à Mario Camarano, un grand directeur de théâtre et pédagogue, et uruguayen, mais argentin pour adoption, qui est arrivé avec lui à Paris, à la maison, et qui a eu cette idée magnifique de créer un espace de théâtre, un atelier de théâtre à la maison, et des théâtres d'espagnol. Et hasta podemos llegar a decir que a partir de acá, del tercer escalón, se pueden utilizar sonidos, palabras y expresiones si es necesario, no antes. On a deux élèves qui viennent direct de la Maison de l'Argentine, qui descendent juste, prennent son cours. Il y a des gens d'autres maisons et puis il y a aussi des gens qui traversent Paris pour venir. C'est magnifique. Mais en tout cas, tous sont hispanoparlantes. Pas de naissance, il y a des Français, il y a d'autres nationalités, mais le cours, il est en espagnol et il faut que les gens comprennent et qu'ils dominent un peu aussi la langue.